Bon les gars, nouvelle vidéo, journée 4-4 avec le nouveau Lada de Lolo. Donc c'est la semaine prochaine la journée 4-4, mais là en fait le démarreur il est mort et il n'y a pas moyen de le remplacer avant la journée, donc c'est cuit. Déjà ils ont changé le pont avant là qui était cuit, donc là on va essayer de démarrer en tractant avec la 306 HDI du Payou. Là ça commence vraiment bien quoi. Là c'est un vrai là. Là c'est bon hein, jeune. Alors là ça va gazer là. Et on la rampe là. Ah putain. Et regarde si ça traque pas un HDI mon gars. Et là. Bon alors les gars, avant l'hivernal, là maintenant que ça a démarré, on va faire un petit essai dans les chemins. Bon, il y a Payou, il nous suit encore avec la 306 HDI derrière parce que c'est pas... Ça se trouve, elle va mieux passer dans les chemins en plus. C'est pas possible. Et dedans, c'est un XUD les gars, un petit moteur Peugeot. C'est un quoi? C'est un Alic 9D ou Alic 7? C'est le Alic 9D. Mais c'est de la grosse merde là-dedans. Ah oui, c'est de la grosse merde. En fait, il est monté en longitudinal là. Sauf que bah, le XU n'est pas pensé de base à être monté en longitudinal, du coup c'est... Tout est un peu adapté. À l'arrache. Plus rien n'est trouvable. C'est ça. Du coup bah là c'est pour ça qu'on l'a démarré en tractant, parce qu'il n'y a pas de démarreur, parce que le démarreur ne marchait plus. Et ils ont pas les mêmes que les 9 diesel basiques. C'est ça, on a même essayé des démarreurs de HDI et tout, il n'y a rien qui va. On a essayé d'inverser, on n'a pas réussi. C'est de la merde. Ça casse les couilles quoi. Voilà les gars, c'est juste un petit aperçu, hein. C'est juste pour tester le pont avant et tout, voir si ça se passe bien. La vraie journée, comme je dis, c'est la semaine prochaine. On va bien se tanker. Ah, il va pas mal là sans la barre stab. Ah oui, ouais, parce qu'il a coupé la barre stab pour gagner en débattement aussi. Il tape pas, tu vois. Ouais, mais il tape moins qu'avant. Il tape pas, il est plein. Ça, c'est les ailes arrière qui ont frotté. C'est les ailes qui... Il y a le gros Dylan en plus d'à côté. Et puis ils sont en train de suivre avec la 306. Là, il est en train de suivre avec la 306, mon gars. Ouais, le boulot. Ça fait ça. Attends, bouge pas, je descends. Mais tout ce qu'il fait, jeune. Attends, je descends, chef. Ça allait pas mal là, en vrai, dans la neige là où il y a les épingles qui peuvent tirer des grands vents. Bon bah les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour aller casser du Lada un peu. Demain, il y a 4-4. Loïc est parti faire le plein. Je suis encore bourré. Ça va bien se passer. En attendant Loïc, qu'est-ce qu'il est parti faire, Loïc, de bon matin? Faire le plein! Sauf qu'il n'a plus de batterie, il n'y a pas de démarrage. Ici, il a réussi à démarrer avec Anaïs. Mais, attends, la clé, tu dois l'enlever, tu dois la mettre sur le... J'espère pas. Ça va, Lulu? Ça va? Putain, je suis encore bourré, moi. Ah bon? Mais ouais, j'étais de soirée. Là. Net! Ouais, la route, elle est mauvaise, moins 8, toi. Ouais, j'ai roulé comme une pute, j'ai roulé tout le monde. Moi aussi, j'ai roulé comme une pute. C'était super dangereux. Ça, il en a fait caler la Twingo, le chef! Bon!
Là, on a eu une petite mésaventure. Il y a une durite. On n'est même pas parti. Hein. Il y a une durite de liquide de refroidissement qui s'est barrée. Le thermostat s'est grippé et tout. Là, on a déjà 20 minutes de retard, comme chaque année. Comme chaque année, nous sommes en retard. Comme chaque année, il a fallu faire de la mécanique avant de partir. Mais est-ce que c'est réparé? Oui. Oui. Est-ce que ça tiendra? Non. Est-ce qu'on a bien vu? Oui. Pas pour l'instant. Pas encore, mais ça vient, ça vient. Non, ça pisse! Ouvre le capot, Loïc, ça fuit! Ça fuit là. Le bouchon! C'est gelé encore. Oh, puisque ça n'aboutit qu'au lieu de serrer. Ah bon, bah sauvé, c'est bon, c'était mal serré. Est-ce que la réparation que j'ai faite... Ouais, t'as du bruit, c'est bon. C'est le reste sur le châssis. Bon, bah ça va, ouais. Non, mais est-ce que... J'ai fait ça bien, quand même. Donc là, il y a... En fait, le radiateur avait gelé parce que Loïc, il met du liquide refroidissement mélangé avec de l'eau. Et quand il fait moins 8, autant dire que ça gèle. Non, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Appuie. Mais appuie. Bon, je pense qu'il nous avait dit la mauvaise heure, histoire qu'on arrive à l'heure. Parce qu'il y a tout le monde. Il savait qu'on allait tomber en panne. Bon, le radiateur a dégelé, hein. Ouais, ouais. Il y a encore un peu de pression dans le vase, mais... Ouais, ça va sauter. C'est un 8-9D, c'est chiant quand on roule. Alors là, il est en train de dire que le Lada, il faut pas hésiter à l'abandonner une seule seconde s'il a une panne. Je suis dans le groupe B. C'est vrai. Les 216, Vatanen et tout. Et tout, Vatanen, on t'appelait Vatanen aujourd'hui. Il est déjà bleu beat. Il est avec son château le coton. Rien ne va plus. Oh, il y a encore des vieilles clopes. Lucas, propose un granola. Propose un granola à nos abonnés. Il a retrouvé la moitié. Putain, mais c'est les granolas à ta mère ou quoi? Culé, va. Est-ce que... Mais c'est mes granola! Demande aux abonnés s'ils veulent un granola. Est-ce que vous voulez un granola? Est-ce que vous voulez... Oh, c'est un petit granola. Miam, 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 miam. Putain, les mecs, ils sont bleu bite. Ça a même pas commencé. Ouais. Il est quelle heure? Il est 5h06. On regarde le plaquage bois sur l'horloge, là. Oh! Salade à luxe. Luxe. Attends, t'as pas la façade du poste à un endroit? Oui, faut pas regarder le poste. Ah non, je crois que je l'ai cassé. Il fait un peu trop le malin, je trouve. Ouais. Vas-y, régule, régule. Elle est là, la façade. Oh, joli. Ça va, Zou? Ouah, ce fume noir. Ouah, ça fume noir. C'est le mazou. Le mazou. Le mazou. Le mazou. Le mazou. Oh, le petit joueur. Son 4x4 de trottoir. Ça y est, il a calé. J'en ai 4x4 terminé. Bon bah merci d'avoir suivi cette vidéo. Oh mais il y a déjà de la caillasse quoi. Et voilà, ça arrive toute la carrosserie. Putain, oh. On s'est donné tellement de mal. J'ai bien dégonflé les pneus, normalement ça va accrocher. Je crois même qu'il y en a un, tu vois, quand j'ai mis le truc, il y avait déjà zéro. J'ai appuyé quand même et j'ai dit ça fera. Ah, ça fait plaisir hein, d'être dans les chemins. Tard l'époque. Je lui ai dit, mais tu vas casser le moteur. Il me dit, mais non. Est-ce que tu veux un grano là? Non, tu me fais chier avec le grano. Et Anaïs, est-ce que tu veux un grano? Non, c'est bon, merci. Ne pas caler. Ça y est, il est de champagne. Ne pas couper. C'est bien dans la petite neige. On va casser. Mais en vrai, il est quand même plus souple que l'ancien. L'ancien, là, déjà, on serait en train de... Oui, on souffrirait déjà. On serait déjà chez... comment il s'appelle, le mec qui te remet le dos en place, là? On a déjà un peu mieux de chauffage. Ouais, c'est ça. Mais attends, c'est quoi son métier, c'est quoi? Ostéopathe. Oui, c'est vrai que oui, de dire ça en vidéo, c'est vrai que... Ostéopathe. À part ceux d'Ambert, ils connaissent pas, quoi. Bah non, mais nous... C'est de l'or, nous, l'ostéo du coin. En fait, à partir du moment que t'achètes à Lada, t'as des... Comment on dit là? En gros, t'as des tour séances. T'as des séances chez le kiné pour te remettre le dos en place. C'est
fourni avec. Ça va être régul, t'inquiète. T'as cours? T'es en cours? Donc là, les gars, ils viennent de nous annoncer qu'il y a un chemin. Un chemin qui ravine. Il a dit il faut que ça régule. Tu régules jusqu'en haut. Là, il va falloir que ça monte, sinon ça montera pas. Enfin, donc il y aura une main sur le volant, une main sur le levier pour que la première elle reste dans la boîte. Et une autre sur le gobelet. Et une autre sur le gobelet. Et c'est Anaïs qui tiendra le volant. Un œil sur la route, un œil sur le blessé. Un œil sur la mitraillette. Un œil sur la route, un autre sur le fusil mitrailleur. Mais là, on est en train de se dépêcher de boire parce que, entre temps, évidemment, on a ouvert le cubi de 3 litres de rosé pamplemousse. Parce qu'on va peut-être pas quand même se laisser abattre. Faut patienter. C'est pas le rosé qui pique, mais c'est le. Je sais pas, c'est le sirop. Le sirop de pamplemousse, je pense qu'il pique un peu. Il est un peu périmé, peut-être, je pense. Il pique un peu. Ah, bon, de toute façon, quand tu payes 7€ 3 litres, hein, tu peux pas t'attendre à un sirop de qualité. C'est du noir à roux. 7€ les 3 litres. 7€ les 3 litres. Rosé, oui. Il a même pas de marque. Non, c'est du roux noir à roux. Wow, c'est le rosé. T'imagines, ils l'ont pris du sans-plomb presque, ça veut dire si tu fais les calculs. Je l'ai acheté à Aldi. C'est presque 2€ le litre, hein, c'est presque le prix du sans-plomb. À 11h12. Non, je l'ai pris avant à Intermerdier, je l'ai pris. Avant Jésus-Christ. Il t'a fait 11h12 avant Jésus-Christ. Il a de la bouteille celui-là. Il a de la bouteille. Oui, putain, non, celui-là. Je peux te dire, celui-là, tu le ferais même pas boire au Lada. Quoique. La dernière fois, les gens se rappelleront, putain, faut que je mette l'extrait, quand on mettait du rosé dans le radiateur du Lada, parce qu'on avait plus de liquide refroidissement. On a plus que ça. Attends, je mets ma petite touche personnelle. Bon, bah, on va finir comme ça. T'as les panneaux de porte en cuir quand même. Bon, avec de l'amiante. Est-ce que dans tous les SUV, t'as ça? T'as ça dans, dans ton X5 hein. Par ici, il y a de l'amiante. Il y a de l'amiante par ici, tu vois. Mais faut pas y toucher. Allez, regarde, qualité. De l'amiante, de la peinture au plomb, bon, faut pas démonter le ciel de toi, sinon tu perds 10 ans d'espérance de ça vie. Ça fait le charme, ça fait le charme. C'est ça. Le seul défaut de finition, je dirais, c'est un peu le tableau de bord. Ouais, il y a un peu. C'est vrai qu'ils auraient pu faire un petit effort là-dessus. Et non, mais ça, c'est une radio aftermarket. C'est oui, pour ça qu'elle a pas. C'est pas une radio Lada. Ouais, ce serait une radio Lada. Regarde. Il y en aurait pas. C'est ça en fait. Oh, que c'est mort. C'est une pièce OEM que tu nous présentes là ou. Il marche plus ce con. Mais non, il marche plus. Oh, il y a un roi. Attends. Il n'y a pas de son. Ah, mais ouais. il est en AM, il est pas en FM. Oh, alors il est là. Ouh, une petite enceinte. T'es sérieux, t'as vraiment. On entend le volume. Mais 94,8 là. Mais il n'y a pas, regarde. Énergie là. Bon, là ils ont sanglé le range. Comment couper un arbre? C'est la sangle qui. Qui inquiète. Ça passe en live. Ouais, là je pense que. Le bien qui bouge même pas d'un poil. Elle est vraiment de la merde, c'est quoi? Elle est bête? Ouais, c'est bien. Parce que les bien sur le bouge. C'est la vraie. Allez, allez, allez! Oh, allez! Ça gratte, ça gratte! Ah. Eh, putain, ça voudrait y aller, hein? Allez, c'est bon, c'est gagné! Allez, c'est bon. Joli là. Je sais même pas pourquoi on filme, c'est même pas impressionnant.
Oula, ça... on a peut-être parlé trop vite, non? Non, c'est bon, c'est... Je sais pas ce qu'il a tapé. Ah, mais là, ouais, il y a une racine dans la corde. Non, c'est que le capot, il ferme pas. Est-ce qu'il a galéré le Lada? Tu veux échanger contre un toy? C'est pas que j'aimerais pas, mais au prix je vais y perdre un peu. Ça se revendra plus cher au poids de la ferraille, ça c'est sûr. On peut s'arranger si tu rajoutes. Non mais là c'est facile, là on balade les Range Rover. Ouais mais là c'est le moment où je mets la petite musique et tout. Tu vois. Au milieu du bourbier à démonter ta roue pour enlever le gras. Par contre, lui, je l'ai vu qu'il le faisait, mais genre lui, il faisait du truc extrême. Non, mais oh, il avait mis un schnorkel de 3 mètres au-dessus du toit et il avait coulé le Lada. Mais il était parti, genre avec une bouteille d'air. Non, mais je te jure, c'est pas une blague. Je sais que tu me filmes. Il était parti avec une bouteille d'oxygène et genre, tu vois, il traverse un truc, mais tu vois plus le Lada. Et tu vois la GoPro à l'intérieur, le mec, il est comme ça. Et le truc il sort. Le truc il sort. Non mais je te jure c'était pas une blague. Mais tu sais c'est des vidéos en cyrillique, tu peux pas les trouver. Tu sais tu les trouves que tu commences à mettre une vidéo en cyrillique. C'est égyptien. Tu trouves une autre vidéo, une autre vidéo, une autre vidéo. Et tu sais tu commences à tomber là dessus. C'est égyptien. C'est pas égyptien. C'est... Ce que je fais là c'est en train de manger égyptien mais tout en canon tu vois. Mais... Ah penchant tu mets à son cul. Quand il aura passé la première porte on montera. Déjà là. Ils ont galéré. Il y en a 2-3 qui ont posé le pont à un endroit. C'est ça qui me fait le plus peur. Reprends un peu les dents, reprends un peu les dents. Ah bon, c'est bon, c'est bon. Oh ça y va en plus. Oh, ouais. Exceptionnel. Exceptionnel ce impressionnant. Vraiment c'est. Doucement, doucement, doucement. C'est de la neige. Impressionnant. C'est vraiment exceptionnel là ce machin. Et là, tout à gauche ou à droite alors? J'sais pas, t'as pas grand chose hein. Faut que tu montes dessus sinon sur la pierre. Oui, c'est une pierre ça. Celle-là là, tu vois, en plein milieu là. Faut l'éviter. Ouais, c'est bon, c'est passé. Oh bien joué. Bien joué. Le plus dur est fait, je pense. Bien joué. Ouais, c'était le plus dur ça. Ouais, c'était plus dur. Ouais, mais en fait, c'est vrai. Mais c'est que après, le Lada passe bien aussi. Hein. Putain. C'est que le Lada passe bien. C'est impressionnant. Arrêtez là, donc là, t'as raison. Finalement, tu vois, on est passé à gauche, la pierre, ça a bien fait. Et la branche, il est toujours derrière. Ouais, ouais, on ferme la marche, on monte. À tout de suite. Mais attends, ils nous disent pas tout, les gars, là. J'ai eu là. Thank you.
vais pas y aller, ils vont être choqués encore une fois. Pas une seule marche arrière. Pas une seule, mon gars. Exceptionnel, c'est exceptionnel. Bon bah là il va être, il est 1h30, on va partir bouffer. Le pont ça a pas bougé là ce qu'on a fait hein. C'est impeccable. Quand tu regardes dans le dictionnaire, si tu cherches le mot solidité, en adjectif, il y a marqué la dame de rendement. Il y a du fromage qui arrive. Super. Déjà tu foutrais. Il adore le fromage. Des soupapes, des injections un peu mieux. T'as pas marre de parler de bagnole toi tout le temps? Oh putain, je t'ai pas dit la 205. Il parle de son Dodge Ram. Dodge Ram. Bah son Dodge, il rame. Il met le drive. Le drive. Ouais, le drive. Moi je mets le drive et je traque 3 tonnes. Tu vois. Ah oui, parce que cet enculé, il a aussi acheté un Dodge Ram 5 litres 7 où il roule en bois dessus. Il met le drive. C'est qui Amy? C'est Amy. Hein, on ne sait pas. C'est sa maîtresse? Hein? Tu mets le drive? On met le drive. On met le drive. On est en France. On met le drive. On met pas le drive. Bon bah voilà, on vient de manger. Il va falloir qu'on repousse le Lada pour le démarrer. Et puis on sera reparti pour l'après-midi. Ah, on n'a pas de démarreur. Viens mettre un coup de sang, s'il te plaît. Mais lui, pour me démarrer, j'ai pas de démarreur. On a enlevé le démarreur. Allez, vas-y. Mais là, dis-toi qu'ici, là, Anaïs, on... Ici, oui, celui-là, on montait, c'est 3, 306 actions, on est monté là. Oui, on est monté là. C'est le carter, c'est voyant. On va bien voir. Tu es sérieux? Il y a le caillou. Vas-y, ça passe. Ah, c'est la voiture de ta mère, je te rappelle. Tenez mon gonnet, parce que ça va se trouer. Hein. Là, tu conduis, il a un gonnet à la main aussi. Non, ah, tu l'as donné à l'analyste. C'est le copilote qui s'est engoblé. Putain, on avait coincé le Pajero dans ce chemin. Ouais. On était passé par la forêt à gauche, parce qu'il y avait un arbre au milieu de la route. La forêt. Ah oui, mais c'est ce que vous disiez juste avant. La 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 la. Wouhou. Oh là, il y a un putain de caillou. Jamais ça. Rosé. Non, et voilà, la batterie externe a pris du rosé. Félicitations. Oula. Non, t'inquiète. Si je leur laisse un peu de marge. Le mec, il fait son malin. Il fait trop le chaud. Ouais. Oh, je crois que t'allais caler. Mais cale pas parce que là, mon gars, je te mords là. Oh putain, je me suis mis du rosé partout. Oh bon. Là c'est chaud. Oh là 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 là. Buvez-le. Oh, mais on peut pas le voir. Je me suis mis du rosé partout. Et voilà, encore un Toyota qui recule. Oh, vite au bois le rosé. Bois. Et là, le Toy il est coincé là pour l'instant, donc on va voir. Je sais pas, ils veulent faire quoi? Ils veulent tout redescendre là? Parce qu'il n'arrive plus à monter, il est bloqué le 4x4 là. Et énervé hein. Bien. Insolent. Ouais.
Ça me dégoûte son truc, ça me monte partout. Les copains, avec le temps, on va vous parler de l'avantage du cubi vidé. Quand votre cubi est vidé. On dit niveau tarif d'abord. Le bon. Rapport tarif confort. Confort cuite. Confort cuite. Alors. Confort cuite. Quand on parle de confort, tu peux boire, on va vous expliquer. Déjà, il faut savoir que c'est 7 euros les 3 litres, ce qui est plutôt raisonnable. Bon, chez Lidl, mais il pique un petit peu. Il pique les 3 premiers godets. Deuxième verre, il pique. Oh, même 3-4. Mais 3. Bon, ça, c'est pour les palais fins, tu vois, les palais mais, fins. Là. Mais là, quand tu t'es bien mis noir, que t'as bu tes 3 litres, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, t'as envie de dormir. Et quand t'as envie de dormir, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, alors là, Monsieur Cubi, ils ont inventé le Cubi gonflable. Et ensuite, il suffit de le positionner sur le côté. Et là, tu peux faire un gros dodo, man. Ça souffle, hein. Ton truc ça souffle en vrai, hein, putain. Ça respire là. Les écolos en PLS là. Là. Putain. En vrai, je pense que ça peut monter. Hein. Greta don't approve. Allez, là ça va y aller. Ouais, bravo. Là c'est bon, ça va y aller. Là c'est bon, je pense. Là il est pas mal. Joli. Ceci est pas mal. Il est pas mal. Je mens bien. Ah, puis le caillou là il va pas aider là. Ouais. C'est vrai, il n'y a pas de tronçonneuse. Ça a touché la galerie là, non? Ah merde, cette corne là. Ah merde, il a pété le point en haut là, tu penses?
Merde. Il en a rien à branler sur la table. Il a failli s'enculer dans l'arbre. Mais ça repart. Mais c'est que ça repart. Vas-y, vas-y, vas-y. Sanglier, moi. Le XUD, vas-y, c'est bon. Oh, sanglier. Oh là là, sur la boîte. Il en a plus rien à branler. Il en a plus rien à branler. Il en a plus rien à branler. Ça y est, regarde. Là, mon gars. Bravo, Lolo. Ah, c'était beau, en vrai. Allez, je cassais tout. Bravo. Je crois que t'as laissé un morceau de ton pare-choc. Ouais, la pierre, par contre, elle a pas trop aimé. Putain, par contre, il y a migré le salaud. Ouais, en fait, ça a pas fait grand-chose, en fait, non ? Le pont. Ouais, enfin, le pont, mais... Vas-y, y'a rien. On est où là? On est où là?
bien dégonfler les pneus, normalement ça va accrocher. Je crois même qu'il y en a un, tu vois, quand j'ai mis le truc, il y avait déjà zéro. J'ai appuyé quand même et j'ai dit ça fera. Bon ben voilà. Là en plus on roulait sur vraiment genre du roulant, il n'y avait même pas d'obstacle ou quoi et bah voilà, ça crevait bêtement là. Ça fait un peu chier. Donc bah je pense qu'on va se quitter. On va se quitter là-dessus parce que là de toute façon bah maintenant on va essayer de voir ce qu'on peut faire et on va rentrer comme ça au garage. Et puis c'est tout. Ça va Rayette ? Ouais, ça gaze. Regarde, je te l'avais dit qu'il aurait la veste pour les oranges. C'est bon ? Ah merde. Tu vas voir qui te fait la gueule. Ça va bien ? Ouais. Oh, tu sais quoi, tu fais la gueule à Lulu, ça va pas te faire la gueule. Il a pas décollé de l'autre côté. Ouais, mais là, tu sais, c'est normal. Ouais. Mais j'ai le cri dans la voiture. Et ben au pire, on sort la roue et on la ronfle. Ouais. T'as pas peur, si on l'a fait comme ça là. Mais on change la roue direct, non ? Ah putain, il y a encore. Tu sais, à plat ou tracé, je m'en branle. Ouais mais c'est bon, ça a l'air gonflé à peu près. J'ai gonflé avant de partir, alors je sais pas si c'est qu'elle est crevée ou... Ouais, tu sens, on trace en mer, on verra bien. La roue elle prend un peu de place. Ouais, attends, on va mettre le truc. Pas de conneries. Attends, je mets le manche aussi. Attends, vas-y, je mettrai après le manche, vas-y, mets ta roue. Comment c'est branlé? C'est ignoble. Il y a une foule d'un côté, il y a une foule de l'autre. Ah, c'est ignoble. C'est fiché avant un chat. Il aura avant l'amortisation. La première qui voit de sa vie. Il y a même le truc placé. Allez, vas-y, t'es content. Merci, non. Va l'essayer. Ce qu'il y a de pratique, c'est que ça passe pas, mais qu'on va aller à l'œil. Oh, 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 oh,